www.casarima.fr. Sur le Odam Tolo, déjà au sorti du corps, il était sorti de son corps, il est allé ceci, cela. Alors, Makambouana, c'est quelqu'un qui ne s'est pas converti. C'est quelqu'un qui est toujours dans la magie. Et il y a des hommes de Dieu qui sont dans la vie, qui sont dans le commandant. Hein, l'homme de Dieu avant de vraiment boyer, et dans la petite chose, quoi. À Bimina, et puis à Kéne, qui est la finance, à Kéoka, à Kéoka, à Zahawa. On a grand maître, on a grand maître dialogue de Melchizedek. Donc je l'appelle la repentance. Alors, tout homme de Dieu qui opère avec les anges, selon lui, il est déjà dans les pratiques fétichistes, il n'est pas dans la voie de Dieu. Mais quand il va dans une église, oh, ange à guérison, ange à prospérité, ange à. Wana yebake, pasteur, wana déjà boumaka. Nouvel album, ma prière. De la sœur Inès Nzembani. Bientôt disponible sur le marché des disques. Clip en promotion, Punda. Et Sengisa Koko Mesayo. www.casarema.fr. Bonsoir, bonsoir très chers fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Rien que la vérité, Rien que la vérité, votre émission préférée qui vous est toujours présentée par Maboko Nakibonzambe, Alvin Beya et Rakarate. Donc Bonzambe na Bonzambe. Lola et Zofrika. Et si quand vous avez fidèles téléspectateurs, n'a pas de problème aux ananas, n'a pas de difficulté aux ananas, qu'on n'a pas de difficulté, qu'on bouge de difficulté, qu'on le la lélate, Zana Kakawana, Lola et Kofuta. Merci beaucoup à mon réalisateur, Cédric Mwongo, pour le Kozame et Katnasiko, si ma caméra, partout, en tout cas, dans la machine côté. Merci vraiment, Cédric Mwongo. Merci vraiment beaucoup. Merci à les grands visionnaires PDG Blaise Manzambi. Merci à celui qu'on appelle les prophètes Samuel Panzu de l'église Arbre de Vie Puna Namira, Papa Nzambi Apamolo, les grands producteurs Pedro Kossi Oyazo dans la vision depuis Allemagne, Festation à Moussa Nzosala, les grands producteurs Pedro Kossi depuis Allemagne, Pena Bivens, de Romo Motema Filomo Koya, Nabino Nzosala, la vision Papi. Congé na motema ya Sylvie Wachini, na maman Perside, Mangan pe na pasteur Lozi. En tout cas, bino nyonso bozola na biso. Merci beaucoup na bino nyonso na bande nyonso ki babengaki. En tout cas, basengaki biso. To ya mela bino ndeko na bino oyo tozana vraiment na plateau ya lelo. Merci depuis États-Unis na Marc Moussese ainsi. À toute la famille Moussese au Bazola la mission des États-Unis, que y a Béli Binonani pour découvrir en tout à l'heure que les téléspectateurs. Mais je vous laisse d'abord construire d'abord la page publicitaire et on se retrouve tout juste après pour les entretiens avec mon invité de ce soir. Voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Nouvel album Ville Ya Refuge avec Pierrot Mbia Blessing qui a pour titre Ville Ya Refuge. Ezali lié ya bopemi yo motonyoso osundolama obuakama yo kaloyembo okozwa consolation et ba loyembo mosusu ezali lokola quartier roi azalité Medley, Nzambenanga, Lolendote, Enfant Prodige, Obongina Loku, Natatoli, pour t'adorer, ton rédempteur. Yo ya no la kaba ena mi tunae. Yo za mi so ya bako fimi so. O konzi na bo moi. Zame na ngai. Contactez le 00 0 74 38 40 46 10 00 44 0 74
38 46 10 et encore 44 0 39 30 86 57 09. Et son amour, la commission est souhaitée. En exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Voilà, bon zambé, na bon zambé, lola, ezo futa, lola, ezo futa, biso zambé, ya botoko. Wapi de l'autre, toza na nani, na émission de l'autre, bien que la vérité, toza avec celui qu'on appelle les prophètes Placide, à qui j'ai mangé dire bonsoir, l'homme bébé. Bonsoir, papa Ali. Bonne santé. Qui n'y a pas la grâce de Dieu? Ah, ils ont monné que ça va, l'homme de Dieu. Oui, très bien par la tâche, nous vivons par la foi, très bien. Non, il y a aucun d'or. Non, on a reçu la bazam, batte, la babette, la babangène, d'ici que le message beaucoup, tu n'as pas dit, ils ont monné le souci, c'était aucun d'or. Non, on a ça, toujours la prière, mais on a lié, on a tellement de gens, mon corps, commune, tout le monde, Bazoya, on a pu se préserver, il y a une mission, on a pu signer actuellement, on a ça quelque part dans la prière. Dans la prière, en tout cas, merci, qu'il y a une mission dans la bombe. En tout cas, l'homme de Dieu, tu sais bien, on est en bio. Je suis très content. Le roi est revenu à Awa. On a pu apporter la lumière là-bas dans la maison. Je suis vraiment très content, très à l'aise. Okay. Nous avons un journaliste qui s'est préparé déjà. Nous avons un prêt. Je me propose tout sur le sujet. Je suis venu sur le sujet. Je suis venu sur le lot. Pour tout le monde à mon sujet. Bon, si je suis sur le lot, on a tout fait sa lumière sur l'enseignement. Parce que, moi, je peux être placé dans un mouton. À passer dans le cadre de l'ordre au kit, un grand mouvement, toujours l'ordre de Melchizedek, donc l'ordre falsifié par les diables pour pouvoir dominer sur l'église du Seigneur. Alors, non, c'était là beaucoup plus tout le là sur opérer avec le ministère des anges. Vous voyez, pour le tout le là, si opérer avec le ministère des anges. Donc, notre rôle va bien dans la face cachée de l'occultisme sur. Opérer avec le ministère des anges. C'est mettre le babou. Parce que tu opères avec le ministère des anges, c'est vaste. Si la face cachée de l'occultisme sur opérer avec le ministère des anges. Il y a un exemple aussi. Oui, c'est très profond parce qu'il y a trop la confusion aujourd'hui sur l'enseignement. Vous êtes toujours branché fidèle téléspectateur. Parce que toujours pour nous là. Parce que je vous rappelle bien que le prophète Placide. Azaï tout mon corps, où il y a déjà initié. Azaï déjà initié dans le monde. Voilà, dans le monde, nous voulons dire qu'il y a Kadian Pemba, il y a certains qui ont été téléspectateurs. En tout cas, si on a mis Azaï comme un vrai prophète, il y a un Zambé, un métastore pour aider, mais c'est dans le monde. Mais tout ce qu'on a dans six jours, dans le monde, on a attendu sa vie parce que nous, on est comme on régnait trop l'ombre, opérer avec les anges, les ministères des anges, tout le monde a mal aimé, tout le monde a déjà au fond, il se réveille, ok, mais on opérer avec les ministères des anges. Et ça, biblique? Oui, opérer avec les ministères des anges, cela est biblique. Okay. Cela est biblique, mais le problème est déjà lié, non. Manière où ils ont expliqué actuellement, voyez, parce que nous devons nous référer toujours dans la parole. Lorsque nous avons les anges, il faut que se référer dans la parole. Et on a opéré avec le ministère des anges et biblique. Mais maintenant, nous sommes dans le cadre, il y a l'ordre de Melchizedek, il y a maintenant aussi les anges, les certains génies de la Kabbale. Il y a aussi un livre tel que les oracles des anges. Il y a des livres tels que les grands grimoires. Ou le dragon rouge, l'art de commander les esprits. Maintenant, la différence, c'est anime. Dans l'ordre de Melchizedek, qui est l'ordre des occultes, là aussi, il y a des enseignements tels que les cœurs des anges. On nous enseignait si opérer avec le ministère des anges. Vous voyez? Maintenant, la différence, c'est dans le niveau, il y a l'issoba chrétien, dans le niveau, il y a l'ordre mystique. Parce qu'un chrétien n'opère pas avec les anges. Oh. Un chrétien ne commande pas les anges, un chrétien ne se met pas en relation avec un ange. Mais c'est à Dieu qui opère avec les anges en notre faveur. Donc nous, on ne peut pas
opérer avec les anges. Jamais. On est pasteur dans ce monde, il ne peut jamais opérer avec les anges. Et c'est impossible. Non, papa, je suis un prophète. Parce que je suis un prophète. Je suis un ministère. Opérer avec les anges, les abibliques. Ce que vous avez besoin de faire, c'est que les abibliques, c'est juste les amis. Mais dans les mains, parce que vous avez confusion. Opérer avec les ministères des anges, cela est biblique. Mais cela n'est pas l'apanage de l'homme. Ce n'est pas un pasteur. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Dieu nous fait grâce d'être des pasteurs, des docteurs, évangélistes, des apôtres, n'est pas pour opérer avec les anges. Mais nous opérons avec le Saint-Esprit. Mais il faut ces animes. Quelqu'un qui est dans l'ordre mystique, lui, il opère avec les anges, à se commander tel ange, à bénir tel ange, à bénir tel ange. Mais c'est ça que je nous avons l'ordre, parce que vous avez l'ordre de Melchizedek, et ça, l'ordre est vendu dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 21-22. On nous dit que nous sommes approchés de la montagne de Sion. Vous voyez? Alors, dans montagne de Sion, il y a le cœur des anges. Maintenant, lorsque vous avez enseigné un homme de Dieu ou adepte à l'ordre mystique, même pas dans l'ordre de Melchizedek, il y a plusieurs ordres. Même la magie sainte, c'est la magie qui est dans l'église romaine. Vous voyez, la Babylone la grande. Là-bas aussi, on va opérer un ange. Parce que c'est un ange. Ce ne sont pas les anges de Dieu, c'est un ange de Chine, un ange Oyo, c'est révélé qui. Souvent la voix du diable, maintenant, quand tu es initié, on t'enseigne maintenant d'opérer avec des anges là. Voyez, il y a des anges à guérison, anges à prospérité, anges à onction, anges à miracle. Voyez, maintenant tu opères avec ça. Voyez, papa Alvin. Mais l'homme de Dieu, oui. Si je vous comprends bien, l'homme de Dieu, opérer avec des anges. Ouais. Bonjour, on va dire que non, on ne prie pas les anges, on n'adore pas les anges, mais on opère avec les anges. Les anges, eux, ils ont accepté pour activer ma ange dans le mouvement tout autour, on a dit ça. Voilà. Travailler avec les anges. Car tu vois les gens. Mais yo, malgré l'homme, je dis, parce que vous êtes vraiment matin, tes amis. Voilà. Mais il faut aider, Niaï. Oui. On parle de prier des anges, on ne peut pas prier des anges, on ne peut pas adorer les anges, mais on opère avec les anges. Donc, il y a qui sont dans ton opérateur, tu dois activer les anges tout autour de la vie, pour ne pas avoir l'activité, quoi. Tout autour de la vie, il y a un mouvement, voilà. J'aime cette question, papa Alvin, mais il y a éclexirio. Quand tu vois un homme de Dieu, à ça qu'on présente l'enseignement bongo, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est dans la bonne voie. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je prends d'abord un exemple et je vais y revenir. Pourquoi il faut activer l'ange pour Nabiso? Pourquoi il faut opérer? Parce que nous avons dit à Makamabongo, Aza adepte à l'ordre mystique. Mettre voyez? Des anges tout en mouvement. Oui! Non, expliquer à Mouana. Voilà, c'est aussi la cabale juive. Parce que la cabale juive est bannie sur l'angéologie. C'est le mystère des anges. Là, parce qu'on définit l'homme comme un arbre. Vous voyez? Maintenant, dans la Katia Kabbal Duf, maintenant, il y avait des rabbis, ce sont eux qui opéraient avec les anges. Ils commandaient les esprits, ils opéraient avec les esprits. Dans le but pour apporter la guérison, dans la Katia Banda Israël. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Je disais que notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons regarder Jésus. Jésus, est-ce que Jésus a opéré avec les anges? Je dirais non, Jésus n'a pas opéré avec les anges. Par contre, Jésus a opéré avec le Saint-Esprit. Mais dis-moi que les anges m'accompagnaient qui? Jésus dans son ministère. Ok? Parce que Jésus lui-même était dans l'ordre. Jésus a remis dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Même dans Actes chapitre 10, le verset 38. L'apôtre Pierre a ça pour témoigner que comment Jésus était loin de l'Esprit, il allait de ville en ville annoncer la bonne nouvelle. Mais nous croyons que dans le ministère de Jésus, avant son ministère, sa naissance, mort et résurrection, dans l'église, l'ange va travailler. Ok? Les anges ont travaillé dans le ministère de Jésus. Ce n'est pas Jésus, il appelait l'ange de la guérison, Jésus n'appelait pas l'ange de l'onction, mais les anges, maintenant, pour travailler dans Jésus. Pourquoi? Jésus était loin de l'Esprit, vous voyez,
Maintenant, les anges vont accompagner le ministère. Et nous croyons que tout homme de Dieu qui est appelé pasteur, docteur, évangéliste, il y a des anges qui accompagnent. Mais ce n'est pas un homme de Dieu d'activer les anges en son service. Là, quand tu vois déjà des tels langages, c'est que cet homme de Dieu n'est pas dans la voie de Dieu. Il est déjà égaré, il est dans la cabale, la magie du. Ok, on se retrouve sur la cabane, nous allons continuer l'ange. L'ange est en question, on a Matthieu 26, 23. Et donc, Jésus est mort, comme on a dit, non, en tout cas, jamais on a dit, ange, on a dit, Jésus est mort, écoutez. Matthieu 26, 53, Jésus lui-même a dit au roi. Donc, on a l'homme de Dieu. Si d'ailleurs, je le voulais, j'allais prier à mon Père enfin, dans l'instant même qu'il envoie les 12. Les 12 légions d'anges. Oui, oui. Rana est dans la Matthieu 26, 53. Ok. Jésus a le bigongo. Si d'ailleurs je le voulais, j'allais prier à mon Père enfin, qu'en l'instant même, il envoie les 12 légions d'anges. Merci. Et ça, c'est mon sens très clair, les enfants de Dieu. Jésus n'a pas dit que j'opérais avec les anges, je ne commandais pas les anges, mais dis-moi, Jésus a dit que je prierais le Père. Le Père, c'est le Père qui avait le droit d'envoyer maintenant les anges en service de Jésus. Vous voyez? Alors, ce n'est pas que Jésus qui commandait les anges, qui activait les anges, mais les anges accompagnaient le ministère de Jésus. Sur le sujet, Jean chapitre 1, le verset 41, au Kiti, Jésus est Nathanaël et Mseni. Habite désormais, tu verras le ciel être ouvert. Les anges sont en train de descendre et de monter dans le Fils de l'homme. Cela veut dire que dans le ministère de l'homme de Dieu, il y a des anges qui l'accompagnent. Mais quand quelqu'un dit qu'il doit activer les anges, on doit te faire connecter avec ton ange, c'est que cet homme de Dieu n'est pas dans la voie de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la magie d'Yves. Il travaille avec, anges de Chi. Vous voyez? Parce que puisque c'est l'ordre de Melchizedek, on nous enseignait sur les 70 génies de la Kabbale. Vous voyez? Il y a un livre tel que les oracles des anges. Activer les anges, opérer avec les anges. Quand un homme de Dieu, j'ai activé mon ange. Mon ange n'est pas encore arrivé. Parce que ça y est aujourd'hui. Et c'est connu partout, qui des anges. Ça s'est fait aujourd'hui. Un homme de Dieu a dit que non, mon ange n'est pas encore arrivé. Il faut que quelqu'un, il faut qu'une puissance angélique, il faut que les gens se connectent à une puissance angélique pour la progression ministère. C'est déjà quelqu'un qui est dans l'aberration doctrinale. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la bonne voie. Donc, papa Alvin. Donc, dans la version, là, Jésus n'a pas travaillé avec les anges. La Bible est claire. Mais Jésus était loin de l'esprit. Il travaillait avec la puissance du Saint-Esprit. Mais son ministère était accompagné par les anges. Même avant sa naissance, il y avait eu des anges. Dans son ministère, il y avait eu les anges. Même quand Jésus a atteint la Gethsémani, et le péné à souffrance d'ailleurs, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Mais l'homme de Dieu, ok, Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Oui. Mais je ne vous comprends pas, l'homme de Dieu. Oui. C'est comme si on a empêché, Bandeko, sur le ministère, ange, activer les anges, opérer avec les anges, aux autres télémélanges, autres l'homme de Dieu. Donc, aux autres personnes, on dirait qu'on a contre l'homme de Dieu. Oui, je voudrais savoir. Tous ces gens qui enseignent ça, tous ces gens qui enseignent ça, ce sont des frères. Il y a l'ordre des copites, il y a le monde de la Kabbale, il y a l'ordre des Melchizedek. Mais vous n'empêchez pas aux gens de parler sur les hôtels, les combats spirituels, prospérité, réconciliation des familles. Aux gens empêchés, mais aux gens empêchés, là, que opérer avec les anges de moi. Non, papa, c'est-à-dire quoi? Nasa côté, mais là-bas, pas côté assis, opérer avec les anges. Parce que nous tous aussi, on enseigne avec les anges. Enseigner angéologie dans l'église, ce n'est pas mauvais. Opérer avec les anges, mais il faut expliquer maintenant qui opère avec les anges. Alors c'est Dieu qui opère avec ses anges pour la faveur d'un abysso. Mais ce n'est pas un homme de Dieu qui opère avec les anges. Mais peut-être. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parler du combat spirituel. Parler, il y a hôtel. Et ça m'a baisé. Nous devons prêcher le combat spirituel d'après la parole. Prêcher angéologie d'après les écritures. Mais aller au-delà de ce qui est écrit, là, tout le monde est là. Tu opères avec les anges. Je vais vous expliquer pourquoi moi-même d'abord je fuis dans ce monde-là.
Ok? Maintenant, quand je vois maintenant, ben, c'est maintenant pernicié. Et ce qu'on a dans l'église en disant, mais maintenant, tu as comme wapi. Ben, ça va comme place mine. Parce que la santé, il y a, oh, ange à guérison, son quota. Oh, ange à prospérité, son quota. Oh, il faudra connaître un ange. Oh, il est en train d'utiliser les livres qu'on utilisait dans la Kachakabal juive. C'est ça le problème des Ayangouana. Donc, mon souci, c'est que non, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils sont éclairés. C'est comme pour la santé de non. Alors, ça me dit que a éliminé les yeux. Il y a ma chrétien, il y a Éphèse. C'est ça aussi le devoir. Comme Dieu m'a épargné, la carte est hors de mystique. Je vais le devoir maintenant d'apporter la vraie lumière. Oui. C'est ça, un peu, papa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Toujours aux le Béla, Makambouya et Paul. Mais j'aimerais encore savoir, aux autres de Lélo, que j'adviens bonabou. Mais. Moi, je me rappelle encore bien le mouvement la Bino au Bozalaka, les cabales mystiques, Oyo, Balobela, plus beaucoup sur les anges, mais pas Anjo, Bissot, Prémine, et Gabriel, Bonabo, plutôt Anjo, Bazaba, Deshi, Oya, Satan, quoi, l'homme de Dieu. Oyo, Yozo, le Wabo, et là, et dans la bande de Moussou, Baloba, qui va vous taper dans mon nom, bah, il m'a vraiment allé, bah, tika en haut. Je ne sais pas comment il va prophète. Si la classification des anges, d'abord nous avons archange. Dans la Bible, il y a seulement un seul archange, il y a Michael. Archange Michael. Daniel 10, le bel Yango. Même dans Jude 9, le bel Michael. C'est seulement Michael qui va appeler archange. Archange, il va dans le chef des anges. Ok? Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 aussi, il va appeler archange, il y a Michael. Ça va être à mon compte. Mais le problème, c'est que dans il y a l'ordre mystique là, maintenant, on va aussi les quatre archanges. Bathie Michael, Bathie Gabriel, Bathie Uriel, Bathie Raphaël. Vous voyez? Ce ne sont pas des anges, disons, des anges, oh, bah, ça va nous embêter. Mais quand il y avait des équipes précipitées, il avait entraîné maintenant, vous voyez? Il avait entraîné maintenant un ange naïe. Et il a créé maintenant un gouvernement dans le monde. Maintenant, dans la classification de l'ange en Zambé, nous avons les archanges, nous avons les anges, nous avons les chérubins, nous avons les séraphins. Vous savez, parce que plus besoin pour reconnaître que l'ange va s'aller. Par exemple, la myriade des anges. Apocalypse chapitre 5, oh, ben, ceci les myriades des anges. Nous avons Gabriel, nous avons Raphaël, nous avons Archange Michael, nous avons des chérubins. Ben, ça va ben, ange en Zambé. Maintenant, il faut bien que le diable aussi peut être ange dans le ciel. Le temps où il y a à ça précipité, maintenant, parce que le gouvernement n'a pas. Quand le gouvernement n'a pas, Archange va s'aller. Dans le gouvernement, il y a des chérubins, des séraphins, des anges. Vous voyez maintenant, différence des amis. Quand nous faisons pour accepter Jésus, nous recevons le Saint-Esprit, nous n'opérons pas avec l'ange Gabriel, l'ange Michael ou les anges. Non plus. Mais tout ça pour opérer dans le Saint-Esprit. Mais Dieu, comme il y a un esprit, il y a un Hébreu 1, verset 13 à 14, bah, ne sont-ils pas tous des esprits en service de Dieu? Les esprits, les anges. Les anges. Okay, ce sont les esprits. L'homme de Dieu. Oui. Bien, merci beaucoup. Mais la Bible, quand on voit que l'ange, l'esprit, il y a l'homme de Dieu, Moussous, qui a vision. On dit que non, nous avons attendu que l'ange, cette fois-ci, il faut pas quitter vraiment. Mais là, nous autres, avec Bobontoboye, nous autres, vraiment, quoi. Mais qui là, dans une des autres tables normales, ma banana va servir, bien à quatre existés, ma banana, banana y est. Moment où on est pour qui l'homme de Dieu. Bon, vous avez vu ma bongo, donc ce n'est pas quelqu'un hollandais. Ce n'est pas quelqu'un hollandais. Attends, hollandais, c'est déjà un égaré. Parce que toujours, il y a que non, ange azali comme mon corps incorporel. Mais lorsqu'il y a une apparition des anges, ange c'est l'apparition de la bongo. Ange azali pour apparaître dans la forme de moutou, ange azali pour apparaître dans la forme de feu. Voyez, mais pour il faut ange ba kita ba yana ba ndaku asam to landate. C'est quelqu'un qui est déjà égaré par rapport à la parole. Égaré par rapport au yani. Par rapport à la parole. Que na e de yosu to bazo na biso. Comme aux autres, on va peut ba idée soya l'homme de Dieu. Merci vraiment beaucoup la bande de toujours fidèle na casa Rema TV. On le dit que esprit. To so ni na Bible. L'homme, il y a eu des personnes frères et sœurs devant la porte, la Bible, des anges.
Lot à mon avis, à mon avis, en esprit, à mon avis, dans notre boule. Ok. Lot à mes banti et pas une aïe. Bavani coupe la messe à ange balier. Balier. Voir même, bah ange batinin qui va détruire une vie, douana. Voir même bandeau, bah la guana, la vie, bah soumou, douana. Bah bon, on n'a pas du manaba ange, douana. Et bah ange, yo, son bagay à mon ange, à cause d'un raison. Ange Abimela Baberger, Ange Abimela Zacharie, Ange Abimela Joseph, Abimela Marie. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une apparition des anges, Ange Rose a roulé ta forme, il y a Moto, a roulé ta forme, il y a Moutou. Là, lorsqu'il s'agit d'une apparition des anges, parce que nous croyons aux apparitions des anges, Ange Abimela Lope a perçu un message, Ange Abimela Lope a fortifié, Ange Abimela Lope a orienté, a guidé. C'est dans la Bible. Ok? Là, ils ont la Katia, par rapport à l'apparition de l'ange. Il peut ressembler un peu à l'ange abîmé. Ce n'est pas mauvais. Nous croyons aux apparitions angéliques. Ok? Maintenant, lorsqu'il y a une apparition angélique, l'ange a la forme de Yamoutou, forme Yamoto. C'est comme exemple sur aujourd'hui, dans Exode chapitre 3, lorsque l'ange de l'éternel abîmé la qui Moïse, c'était lui-même qui parlait d'un buisson ardent. Moïse a vu le feu. Il a vu les buissons ardents, à mon ils étaient aussi cathés, mais c'était l'ange de l'éternel. Il a pris la forme d'un buisson ardent pour parler maintenant à Moïse. L'Exode chapitre 3, verset 2 et 5. Même Manoach, tant que maman a Samso, a vu que je vis un homme. Mais c'était l'ange de l'éternel. Même Josué, à tout moment, est-il des nôtres ou de nos ennemis? Il a vu un ange. Vous voyez? Ça, c'est une apparition, c'est la théophanie. Dans la théophanie, Dieu se manifeste dans la forme de ange, forme de moutou, forme de vent, forme de moutou. Là, on croit ça parce que cela est biblique. Mais soit le problème, c'est que dans le niveau, quand il y a l'apparition des anges, les diables aussi, tellement pas ça, il y a des anges. Vous voyez, ange dans le ciel, il y a des anges. Je peux invoquer les anges, recommander ange, je ne peux pas faire un message. Vous voyez, nous commandons un ange, manque au pays à l'autre ici. Mais la différence est dans le niveau en ligne. Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 5, a dit que si un ange vous annonce un autre évangile, c'est-à-dire, même s'il y a une apparition angélique, il faut que l'ange abîmé Yohana aille conforme par rapport à Jésus, par rapport à la parole. Parce que lorsque Jean, à mon avis, apparition d'un ange dans le temps de la vision Apocalypse, c'était l'apparition angélique. Il était ravi en esprit, il commençait à voir des anges, à mon ange est belé, à mon les sept anges, les sept trompettes. C'était l'ange qui lui montrait la vision. Donc c'est l'ange par contre, il n'a pas Alvin, alors il a dit, ma camoupe, au boïté. Alors il a formé un mouton, formé un pépé. Mais ma camoupe, il se fait rendre des témoignages à Jésus-Christ. Ce que les gens ont opéré avec les anges, c'est la vérité. Alors, ils ont fini en même temps, Lorsque quelqu'un, Moutou, il met comme nous. Il commence à opérer avec les anges, d'activer l'atmosphère angélique. Oh, ange de guérison, ange de miracle, c'est quelqu'un qui est dans la cabale juive. Il est dans la cabale. Même il est... les anges en mouvement, peut-être que vous avez dit que la question est là pour activer l'ange. Au moment où vous avez traité, essayez de tout le monde à niveau, au moment que, oh non, tu as prié pour la prospérité, aux obéis, la guérison, bon, bon. Mais essayez de faire que, comment tu as un niveau, mon bon, qui bon, jamais spirituellement, par rapport à un homme de Dieu, dans mon mouvement, en national, tout national, papa, et après, Satan a un ange, mais un démon, qui a opéré en avant. Voilà. De même fait que la mort spirituelle, tout ça, dans ton amour libre,
nous avons attrapé un ange dans le biso. Oh, que badala, que tu vas opérer là-bas. Non, il y a même que Satan, parce que Satan a triché à la côté de la biso. La mère a donné un démon, elle a opéré dans l'entreprise, elle a qui c'est dans le monde. Il y a un dans le niveau de la spiritualité, il y a un ange dans le monde. Mais c'est l'ange dans le monde. Bon, mais il y a un peu pour écrire, on va opérer, là-bas ensemble. Et tu vas activer dans le non. Bateau tout le monde, c'est la sur les 7 années génies de la cabale, c'est un livre occulte. Bon, c'est la sur les gangs du noir ou les dames rouges, l'art de commander les esprits. Bon, c'est la sur les 7 années anges de la cabale. Ok, papa Alvin, dans ce plan, pourquoi ça me sert ensemble? Bible n'est pas moderne, la Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Alors, Bible le dit clairement, la version plus simple, c'est Jésus-Christ, la Bible post-Pilate. Na koye bisa papa a-t-il naba ange. Alors, remarquez ton église est bandit, na ange des apôtres. Est-ce que ba chrétien liboso, manè koye naba ange? Manè koye invoquer les anges? Non. Est-ce que manè koye activer ba ange? Tant que kanaki pire na katia boloko. Ba bi l'église manè koye sani ko, ko sambe la. Manè koye bonde la. A libérer la terre. Voilà. D'une manière surnaturelle. Voilà. Ouais. Nous prenons cela. C'est-à-dire que nous, nous n'avons pas besoin d'implorer les anges ou d'activer un ange pour qu'il a délivré mon tout. Non. Mais nous avons besoin de prier à Dieu et Dieu a envoyé les anges. C'est ça que tu as opéré avec les anges. C'est Dieu qui opère avec les anges. Car Dieu opère avec les anges, quand il y a un ange qui a guéri mon tout, un ange qui a fortifié mon tout, un ange qui a fait sur la révélation, un ange qui a guidé, un ange qui a instruit mon tout. Mais quand quelqu'un dit, non, Azawana prend le ministère des anges, je suis là pour le ministère des anges, c'est déjà quelqu'un qui est dans la cabale Dieu. Mais ministère des anges, hein? des ministères des anges. Oui. Ministère des anges, frère, c'est tout à fait là-bas. Du coup, ministère, c'est la question de nous. Ministère est la question de nous. La présence, tout simplement. Hein? Oui. Service, hein? Oui. Action, on ou pas? Œuvre, elle est tout à fait là. Quand on dit que ministère des anges, et la question que. Les anges en action. Pour l'action, les anges en service. Service, la vie, ministère des anges. Signification est en là, papa. Ministère, on est là qui simplement, ils ont action, ils ont service, ils ont vos années, que l'action d'un canal, ils ont des anges aux autres télémélanges. Ils ont des anges encore. Sauf au ballon, c'est que le ministère des anges aux autres télémélanges. C'est aux autres libérés, que l'ange va aux anges en service, la vie, c'est. Dans le Bible, la nana très bien. Le ministère des anges, ils ont la Bible, ils ont la question. Ministère des anges, ils ont la ministère, oui, ministère des anges, t'es. Nous avons seulement le ministère de la parole. De la parole. Ok. Le ministère. La quand tu as ministère, le mot ministère veut dire service. Le service. Le service. Le service. Oui, oui. Toi qui n'as pas étymologie, t'es service, service. Parce que surtout que toi qui n'as pas mot, on veut ça hors de la Bible. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, étant monté dans les ciels, il a fait des dons aux hommes. Les uns apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Il n'y a qu'un seul ministère. Mais dans ce ministère-là, il y a plusieurs sous-services. Ok? Notre exemple, nous avons donné une prophétie. Alors, un ministère à ça pour exercer. Ok? Nous avons prophétisé. Alors, c'est un ministère. Puis, non, c'est lui qui prophétise, a exercé en avec une proportion de la foi. Ok? Ce n'est pas qu'il y a le ministère, il y a le don de la prophétie, même le don de la prophétie. Même les anges, ça va esprit, mais la carte, ça va être le ministère de la parole. De la parole. Ok? Okay. Okay, le ministère, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Parce que le rôle du ministère, je vais dans Ephésiens chapitre 4, le verset 8 à 13, c'est pour enseigner, c'est pour préparer l'église, c'est pour perfectionner l'église, rachetée par le sang de Jésus-Christ à la rencontre de Jésus. Oh, dans la matière, il y a pour perfectionner tout, il y a pour sauver tout. Jésus a fait la promesse qu'il faut que le Saint-Esprit n'aille. Ok, c'est le Saint-Esprit qui exerce le ministère, mais il s'est alors se choisit par canon et batou, tel, ça pour exercer. Mais là, ce qu'on dit que le ministère des anges est à la rater parce que le ministère des anges est à la rater au ministère des anges est à la rater. Les anges sont au service des anges de Dieu. Dans le Bible, basan est en service de Dieu. Ce sont les esprits en service de Dieu. Donc, dis-le, Bandeau Baloba, que les anges sont. Sont au service. Alors, tes services. De Dieu, ma belle,
Non. Celui qui est à notre service, c'est d'abord le Saint-Esprit. Mm. C'est lui le dernier message que nous avons. Mm. L'Église n'a pas besoin des anges. Donc, après ça, va enjeter. Nous, nous avons besoin de Jésus-Christ. Mm. Ok? Même les apôtres, tout est maintenant au terre, la terre va angéologiser. Mm. Mais ils croyaient du moins que les anges existent. Rappelez-vous le discours de l'apôtre Paul. Parce qu'il y avait des mouvements, les gens qui ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection des morts. Et il y avait des gens qui croyaient à la résurrection des morts et aux anges. Donc tout Mouyouda, tout Jif, il croit que les anges sont à la carte. L'apparition des anges est biblique. Les anges sont à la moussa en abango. Ok? Les chrétiens de Zaboué, dans la posate à ange, tout est né. C'est-à-dire qu'il va ange basali. Ça vient servir sans jamais, mais Dieu les envoie quand tu le veux. Mais nous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que marcher selon l'Esprit n'est pas marcher avec l'activation des anges. Marcher avec l'Esprit. Ma minute, il faut toujours confirmer que le ministère des anges est biblique. Le ministère des anges n'est pas biblique dans le sens que Zali expliquait aujourd'hui. Mais nous croyons que les anges, parce que l'Esprit est au service de Dieu. Ok? L'homme de Dieu. Oui. Il n'est pas un peu pour aider. Et là, dans mon camp de souci, ils ont expérimental, ils ont une doctrinalité. Chacun peut avoir sa conviction par rapport à mon camp de souci à mon âme. Exemple, Paul a dit, on est dans la Bible, il était au troisième ciel, il a attendu des choses qui n'est pas donné à un homme d'attendre. Mais ceux qui parlent que l'anglais le dit, bon, ceux qui habitent à l'église, on a un anglais le raconte. Par exemple, c'est là que l'homme de Dieu, ceux qui ont nous avons vraiment expérience, on a nous embêté. Si quand on a encore le bébé à l'église, là, il y a des certaines choses déjà qui sont expérimentales. Et là, voilà. On a été. Paul et moi, nous bien, on comprend très bien. Donc là, le Paul va en jamais bouillir. Tous les pasteurs, parce que le Bongo, Bazan à Bongo, va envoyer à diable, va lui raviser. Voilà ce que je vous Paul. Voilà le but. L'évangile que je vous enseigne, personne n'a enseigné Nango, personne n'a appris Nango. Alors, je n'ai reçu ni un pain la Galate. Mais c'est Dieu qui nous a révélé l'évangile. C'est par la révélation que j'ai reçu cet évangile. Mais si nous sommes maintenant dans l'Acte des Apôtres, chapitre 28, Paul a expliqué très bien l'évangile qu'il a enseigné. Il appelait la révélation. Il avait un récit de Dieu. Mais à nos what? C'est dans la loi, dans les puissants, dans les prophètes. C'est que quand l'apôtre Paul avait la loi de Moïse, les puissants, les prophètes, maintenant, il comprenait maintenant le langage de Dieu caché par rapport à la messianité de Jésus. Maintenant, lorsqu'il expliquait cela, c'est ainsi qu'il appelait ça la révélation. Les choses, Paul l'a enseigné en côté. Mais c'est par l'esprit. Parce que tous les prophètes, ma grande des témoignages dans Jésus-Christ. Même Jésus sur le baron dans Luc chapitre 24, le verset, je crois, 26 à 44, a dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi, dans les puissants des prophètes. C'est que quand l'apôtre Paul interprétait la loi de Moïse et les puissants des prophètes, c'est ça ce qu'il appelait la révélation. Ok? C'est que toute la révélation, tout dans la base, dans les écritures, même vous avez que ça vraiment a expérimenté un mot. Papa, il faut dans la Bible. Et par rapport à la phrase autre temps dans la Bible, dont il était au troisième ciel, il a attendu les choses qu'il n'est pas donné à un homme d'attendre. Non, nous croyons, oui, les choses là, les choses là, écoutez, les choses là, attends, c'est qu'on a Actes chapitre 20, à partir du verset 20, tu n'as pas. Alors, puis, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Par rapport à l'expérience, mais... Non, l'expérience à mon tour, ça n'a rien à voir avec l'appel dans les choses de Dieu. Expérience non linéaire, non. Expérience, moi, pour un homme d'âme. Dieu, c'est la parole. Mental et non doctrinal. Dieu, c'est la parole. Il plus de l'Inzam et là, sa Bible. Il y a un pasteur au l'Inzam et là, sa Bible. Personne n'a vu Dieu. Dieu, c'est la parole. Il y a la parole faite chair, il y a la parole écrite. Alors maintenant, l'expérience aux gens, c'est dans la Bible. Il faut que mon tour, parce que j'en ai sa Bible. Même Jean a dit ravi à l'esprit. Jean a eu la révélation. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. Mais on peut remarquer cette révélation, Apocalypse, souvent, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Moïse. Donc Dieu a répété tous les livres de la loi, tous les livres prophétiques,
tout le livre historique a même mon la révélation. Mais Jean a la révélation. Il a un livre de la révélation, il a reçu l'Apocalypse. C'est purement prophétique, c'est purement révélationnel. Mais si on a mis pour interpréter l'Apocalypse, tu vas se rendre compte que, et ça, c'est le la loi de Moïse, c'est dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, mais pour la personne à forme, il a codé, il a scellé. Vous voyez, c'est que si quelqu'un a une expérience personnelle, ça n'a rien à voir avec Dieu, avec la parole de Dieu. Même si, aujourd'hui, il y a une expérience personnelle, il faut être à la conformité de la parole. Parce qu'aucune révélation ne peut être. Et vous avez dit, coller la parole, mais il bande la parole. Dieu a tout mis par écrit. Même Jésus, il a fait tout d'après la parole. Continuez, les gens ont un nom pour préparer un chrétien. On prépare un chrétien pour avoir une autre dimension. Qu'on connaisse spirituellement. Non. Quand quelqu'un dit qu'il a préparé un chrétien pour avoir une autre dimension de la spiritualité, c'est quelqu'un déjà qui est égaré. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour confirmer que nous sommes sauvés. L'Église, c'est l'année de l'apparition de Jésus. Au moment de la c'est là, quand le maître apparaîtra dans les airs, et nous serons enlevés, et nous serons dans la gloire. Est-ce qu'on a besoin, il faut pas initier encore la force, pour pouvoir l'enseignement. Non, nous devons prêcher que Christ crucifié. Parce que les apôtres vont témoigner qu'il y a la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est de là qu'il y a notre salut. Et pour nous, les chrétiens, il n'y a aucun monde à notre disposition. Oui, c'est bien quelque chose. Non, nous, tous dans le monde, nous devons qu'il n'y ait. Non, il n'y a pas notre monde. Parce que l'Église, c'est un corps mystique de Jésus. C'est que quand nous acceptons l'Évangile et nous accédons dans le monde de Jésus, nous sommes assis dans l'Église, c'est avec Jésus-Christ. Donc, c'est inutile d'aller dans le monde de Moko. Et monsieur, vous êtes relevé ici maintenant, montagne de Sion et les anges. Alors expliquez ce qu'on va tout ajouter à ma camouane. Oh, il faut la spiritualité, il faut sortir du corps, il faut se connecter. Ce sont des gens qui vont détruire les ensembles. On dit mon pour moi que nous, même il y a mon Yeshua Masia, papa Langal. Parce que pour la vie, tout est à la modèle à Jésus. Papa Alvin, Jésus a été loin de l'esprit. Jésus n'a jamais sorti de son corps. Il allait en Judée, il allait en Jéricho, il allait en Samarie. En est pourtant bon là. Mais Philippe, autant la Bible fait Philippe n'est pas au lieu. Est-ce que Philippe Abimakina dans les autres et ça va comme ça circonstanciellement. Dieu peut le faire. Ravi en instance l'homme de Dieu. Nous croyons, papa Alvin. Moi je crois que quelqu'un à cause de ça mais là. Non, esprit bien peut que côté mon sous. Non, ce n'est pas la volonté mon Dieu que esprit ne me quitte que Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu au qui bazo dans la vie, ça va lui que bon ma commandant. L'homme de Dieu avant lui vraiment boyé et dans un moment bah petite chose quoi abîmé n'a pas à qui est qui n'a pas ça à qui on fait ça hier ça ah ouais on a grand maître de l'ordre de Melchisédek donc je l'appelle à repentance parce que c'est belé surtout la Congo bah comment le monde a changé au bébé toi c'est parce que mon début génération Monsieur Koufi naï n'a pas le sens la conférence n'a pas le sens la cité mais je crois que vous allez qui voilà au moins papa bâtir les gens bah tu vas comment en plein action. Mais ton l'ordre de Melchisédek, il y a un pasteur qui n'a pas de presse ni qui n'a pas de Cameroun, qui n'a pas de Cameroun. Mais là, on a un homme de Dieu qui n'a pas vraiment à rester. Il y a un homme de Dieu qui a l'autre, et là, il y a un homme qui a prié, un homme qui a dit que non, il y a un moment il y a un examen sérieux. Il y a un moment il y a un examen au côté de l'intercession, au prier tel le nom que nous avons dans la chambre. Il y a côté de la chambre, il y a un homme qui a intercesseur. On lui dit que Boutou Mobi Mosaï n'a dit soit l'homme de Dieu te prier, non, Boutou Mobi Mosaï, il y a dans la chambre. Tu veux les amis? Jeune prophète, toi, Nana Ebiye, c'est quelqu'un parmi ma cible, on va se détruire l'église du Christ. Écoutez, dans ses discours, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, lui, je vais essayer de tourner une question. Alors, lui, que non, Abim, ma voyage astral, je le faisais quand j'étais dans l'occultisme. Papa, quand il y a mon père, oh, maman, la bango, tu comprends une réalité. Maman a la 4e primaire, maman a dans la chambre, maman a intercessé. Qu'est-ce que nous sommes quand? Quand avec maman a appelé ça n'est pas un zambé. Quand est-ce que la pratique au kilt? Quand est-ce que Abimani? Mais écoute, vous avez dit, la quatrième, je crois, les humanités. Maman a bangwa bonzare pas yanza, yanzambe. Avant nous sommes des gens zambe. Quand ayez-vous dans le bongo? Bah c'est bon dans ma langue. Après, ils vont les mettre sur le bicano.
il était déjà au Christ et il sortait de son corps. C'est bon, autre question. Abana ko bimana age nini. Parce que quand il est primaire, il était serviteur de Dieu. Tu ne vois pas, c'est quelqu'un qui vient pour détruire l'église ensemble. Et il enseigne de telles choses donc, à la portée de tout le monde. Je n'ai pas, je n'ai aucun problème avec les prophètes. Papa Alvin, la Bible dit, c'est l'esprit qui a témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bah, on ne va pas n'importe quoi, prophète Percy, la Sassana Bakissi, ou aller Sassana Bakissi. Non. Les parents, les amis, au moment que nous sommes en mission, nous avons devant le bateau bazar, la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons un bazar à niveau de connaissance, nous avons la connaissance des plus élevés. Mais quand je vais créer un problème, je vais comme au magie, au pasteur, ou aller ça. Non. Quand vous allez, ça c'est un serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu a un erreur. Tout serviteur de Dieu a bien naïf. Moïse est un serviteur de Dieu, il a fait aussi des erreurs, des fois à caractère. Ok? Alors maintenant, il y a un moment où 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 il y a un pasteur Wallace. Non, mais ça, c'est un pasteur Wallace. Je suis serviteur de Dieu comme lui. Mais c'est quelqu'un que je passais par lui. Alors, je ne peux jamais rester tout mon ministère, tout quand il fait un tout. Non, non. Mais quand je témoigne, je fais mention de lui. Alors, pour le baquet, voilà ça. A soit dit, oui, Rasson, à son taquis, si. Bon, n'habite ni un tombeau à son esprit, ma camombe. Or, on a yé, biboué. C'est un serviteur de Dieu. Non, j'avais suivi ça. C'est un serviteur de Dieu. On va essayer d'en dire, mais il peut aussi avoir erré. Yé, mon problème, pas bien de mission, monsieur Souké. À son mouton, à son mouton, à son erré, on a coquille pété. Alors, oui, là, à son païen, tu dis que oui, à son païen, tout consomme comme tout le monde. L'église est comme arche de Noé. Mais, bah, ma pure. Même un peu, il faut mettre la carte l'église. Donc, il y a un faux débat. Il y a un 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 débat. En tout cas, il y a un débat. Il y a un débat. On a beaucoup d'images là. Quand on va à Kabbal, l'ordre mystique de l'ordre de Melchizedek, au travail avec des anges, pour envoyer ma ange, pour voir, c'est pas tout. Les anges sont pas ça, on a pour envoyer ma ange. Non, c'est-à-dire, na invocation ma ange, dans expliquer à Awa, tout le monde va activer sur les anges. On était avec les anges. Tous ces gens-là, ont sorti du corps, il y a l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek est divisé en deux parties. Il y a une branche, et ça signe la spiritualité. Donc, ça signe l'angéologie. C'est une branche, il y a Kabbal juif. Maintenant, il y a des livres. Le livre est tel que sur les oracles des anges. Pour expliquer à fond, il y a ange basali. Ange à fertilité, ange à guérison, ange à visitation, ange à sommeil, ange à rêve. Maintenant, quand au ciel, le livre, on a besoin de bouger, on a pentacle, on a besoin de pierre, ça n'est pas un ange. C'est pour ça qu'il a été à l'objet par l'église de Bino. Il a invoqué maintenant un ange déchu. Et ça, un ange à Zambé, un ange va se révéler là. Vous voyez, parce que dans sa classe, un ange, il y a des anges saints et des anges rebelles. Maintenant, je peux invoquer les anges. C'est pour ça que tel ange, c'est le prier dans l'église de Bino. Il y a un message à l'église de Bino. Il y a tout. En église, il y a un bazar. C'est ça un peu. Si nous sommes dans la maquette à Kabadjif, on va prendre un mois. Au bêtis, ça va. On a un ange. Pendant la prédication, il a vu la présence d'un ange. Mais quand il va dans une église, oh, ange de guérison, ange de prospérité, ange de... Mais à sentir ange de prospérité, papa, comment on peut sentir la présence d'un démon et on ne peut pas sentir la présence d'un ange? Dans le Bible, c'est l'ange de prospérité à se bénir. Dans le Bible, quand des anges,
quand on met l'expression sur toi, basant le compom, il ne faut pas se définir très bien. Nous sommes dans les temps où nous devons nous définir. Si nous sommes les serviteurs de Dieu, nous devons être les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du diable et le monde de Jésus. Il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Maintenant, au sentir de prendre ange de la Nengeni, l'Alba dit bien, lorsqu'il y a une apparition, ange, comme on a ange, au sentir de prendre ange. Au moment où on est ange d'Abimélio, quand quelqu'un va maintenant descendre la présence des anges, où il faut activer les anges, il est dans les livres sur le bas, notre ange gardien existe. Il travaille avec cet ange-là. Mais on doit sentir présence à l'ange. Oui, il y a ce qu'on attire, ange naïe. Donc, peu les dangers, amis. Lorsque vous enseignez ma cambo dans cette église, il y a des anges, il y a des esprits qui accompagnent de tels messages. C'est trop dangereux. Lesquels? Oui. Exactement, alors maintenant, la Bible dit qu'on a coopéré, tout comme ça. Je vous dis la vérité. Maintenant, il y a des anges, oh, anges de Chine, pour accompagner. Parce que l'ange, oh, après sa cavale à sortir du corps, il y a Iriel. Celui qui donne la fin de sortie du corps. Alors, tout homme de Dieu qui opère avec les anges, selon lui, il est déjà dans les pratiques fétichistes, il n'est pas dans la voie de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là, il y a plus. Je suis au fond de la Bible, j'ai mis la Kabbale, je suis allé opérer dans la Kabbale et je suis allé à l'église ensemble. Et par là, l'homme de Dieu, ils ont confirmé que le ministère, il y a anges, ils ont la doctrine. Oui. Et ça, la Bible, le ministère des anges est biblique. Ange Bazali. Okay? On peut parler des anges et dans l'église, expliquer. Ça fait partie de la doctrine. Okay? Mais le socle, nous sommes dans Nénani, Jésus. Parce qu'en Jésus, nous voyons tout. Okay? Parler des anges dans l'église, ça m'a bête. La cible en géologie, okay, ça m'a bête. Mais maintenant, façon, on nous a pour employer un mot. Le lien nous a dit côté est un mot. Si on peut activer l'ange. Vous connaissez mon ange naïe, wana leko, mon koya, la carte apostasie. Bon, c'est que les amis prophétiques pour activer ma ange. Prophétique n'a vexé ni. Pas dans ce moment, au moins, pas de la délivrance, pas de la démon, pas de la connaissance, oh, il y a parole, et ça, c'est pas dans le bébé, tu vas pas à l'église. C'est ça, c'est que j'ai créé ma problème à tout le monde. Est-ce que y'en a pour ça opérer avec un ange pour qu'il n'y ait pas? Tu as besoin d'opérer avec le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a dit que le bon tir à Jérusalem, c'est là-bas, ange, il n'y a pas à opérer. Non, non. Abi, restez en Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur, le paraclétos, l'esprit de la vérité ne voyage. Donc, ils ont un mot, c'est un mot erroné, opérer avec les anges, les mystères des anges, ils ont angéologie, ils ont un cabal du fond de M. Dalipoya, comme nous avons introduit ici, donc on fait ça en grosso modo pour éclaircir les enfants de Dieu. Merci. Pour le reçu qui sort, tout le monde presque dans tout cas. Et je l'aimerais encore savoir la bande de l'honneur, tout va bien à Batunaka. Nous avons reçu les ministères avec le Saint-Esprit ou avec les anges? Nous avons reçu les ministères avec le Saint-Esprit et nous opérons avec le Saint-Esprit. Les anges, ce sont les esprits en service de Dieu et Dieu les envoie quand tu le veux. Il opère avec les anges quand tu le veux. Ce n'est pas un homme. Et quels sont les noms des anges au début des autres? Oui, la carte de la Bible, la Bible, tout ça, d'abord, on a Archange, Michael. Nous avons Gabriel, nous avons Chérubin, nous avons Séraphin, nous avons aussi Ange. Ok? Bible, il s'est limité à l'ange de l'éternel. Donc, je disais que nous avons Archange Michael, Gabriel, nous avons Chérubin, Séraphin, nous avons ange de l'éternel, nous avons les anges. Mais tandis que nous avons la cabale du Funa, nous avons ange qui est ébélé. Voilà ce qu'on va faire, c'est comment ange de l'ange. Ange dans ange, nous avons bougé, ange dans ange, nous avons prié. On m'a dit? Mais la différence, c'est ça que non, nous les chrétiens, tu es beau quand tu as angeté, nous les chrétiens, nous n'opérons pas avec les anges, nous opérons avec le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui fait son choix d'envoyer tel ange dans telle situation, tel ange dans tel domaine pour eux. Mais si on a qu'à sa cabale, il faisait bon côté. Si pour ça, on doit appeler, on peut évoquer tel ange dans une lié. Pourtant, pour ça, on peut évoquer tel ange, la personne va rituel à Sali. Tu vois un peu? Mais pour ça, c'est ça. Pour ça, c'est ça, on casse. Parce que déjà, tu es perdu, tu es habité par les démons, par les esprits mauvais. C'est ta mort. Donc, c'est un peu la réalité, papa. Ok, par rapport à ce qu'on a à notre sujet, l'homme de Dieu, nous gros, on a abandonné tout basé là en ce même moment. Mais quand on fait balance une fois de plus, sur le sujet de la vie, il y a de l'autre, opérer avec les anges, au télémétrologique, et la biblique, c'est toujours comprendre que l'homme de Dieu. Enregistre les années. Bon, du coup, on a vu la mort confusion. Comme dit Milan, tout le monde a dit bon, on a beau toujours y battre. Bon,
la parole. Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Mais la Bible dit que non, il y a d'autres gens par exemple pour falsifier la parole pour des sons à bango. Il y a la parole qui dit Jésus, il est écrit, mais il a falsifié la parole. Alors, moi je dis ceci aux enfants de Dieu qui sont partout dans le monde. Quand tu vois ton pasteur dans Nzambala Pembe, na croix, na bansang, angéologie, au benga ba ange de guérison, ba ange de délivrance, on active avec les anges, c'est quelqu'un qui est dans la cabale du, il est dans les pratiques fétichistes, il n'est pas dans la voie de Dieu. Nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges. Nous n'avons pas besoin d'appeler les anges. J'aimerais clôturer par cette phrase. Il y a des questions autour. À quoi consiste le ministère des anges? Ils obéissent à qui? Le ministère des anges, c'est ça, panage en Zambé. Ils obéissent, n'est pas en Zambé. Alors, invocation des anges n'est pas permise dans la Bible. Même Jésus n'a pas invoqué un ange, mais il a demandé à son père, il a dit bien, dans le papa, au titre de bas, ange naïe. Alors maintenant, c'est l'église en Zambé. Nous devons regarder le temple de Salomon et nous devons croire que dans le temple de Salomon, il y avait le pardon, il y avait l'expiation, il y avait la liberté. Parce que quand Salomon priait, qu'est-ce qu'il disait? Nous devons habiter ensemble. Car ton peuple va retourner, va retourner dans le temple, Awa, Pesabango et Yano. Et nous croyons aujourd'hui que le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons regarder Jésus lorsqu'il y a un problème, lorsque nous sommes dans le péché, dans les moments difficiles, il faut que tout en ligne. Tout à l'année de Jésus, parce que c'est lui qui peut nous donner la solution. Papa Alvin, bien si Jésus est parti, mais nous croyons qu'il est avec nous. Donc, s'il y a un problème, il faut que tu aies un Jésus, tu aies un ange, parce que la Bible dit il y a les salis à aucun autre nom. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, qui est le bien des autres salama, ce n'est pas au nom, il y a tel ange, c'est une fausse doctrine, ce n'est pas un pasteur qui est dans les droits chemins. Mais normalement, l'homme de Dieu n'a pas mélangé tout le monde, il faut toujours le bas. Pour que ça soit l'évangile, non? Oui. Pour que ça soit l'évangile, bien sûr, pour que ça soit l'évangile, toujours prêcher. J'hésite, toujours prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais dans sa parole, on trouve qu'il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges. Et pourquoi il y a aussi rien que pour le Béla, les caméras d'anges. Dans la Bible, opérer avec les anges. Dans la Bible, ce qui te relève là, opérer avec les anges. Il faut que l'enseignant par rapport à la parole. Par rapport à la parole, c'est Dieu qui opère avec les anges. Ce n'est pas un pasteur. Ok? Tout celui qui nous trouve un mot sans tout opérer à la Saint-Esprit. Mais Dieu met les anges à son service. Ok? Parlons de l'amour. Il faut que l'amour par rapport à la parole. Parlons du combat spirituel. Il faut que l'amour par rapport à la parole. Parlons de la richesse. Il faut que l'amour par rapport à la parole. Le temps est arrivé. Que ce soit le visage angéologique, et que l'unité tout à la façon d'éviation des okènes. Quelqu'un qui prêche sur les anges, à ça pour dévier les bananes, n'a pas sa vraie parole. Or, que lui, il travaille avec l'autre livre, mais il est dans le combat Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs viendront à mon nom, on peut le posséder. Vers l'équipe des anges. Or, l'équipe des anges, c'est déjà un esprit que l'apôtre Paul a réprimandé qui est en Colossiens, chapitre 2, verset 17 à 18. L'équipe des anges. Est-ce qu'autant, des anges, c'est pour. C'est pour la destruction, c'est pour empêcher les gens à l'enlèvement. C'est pour entraîner les gens à la jugement dernier. C'est ça le but, même il y a l'ordre de Melchizedek. C'est dominer sur le peuple, régner sur le peuple, gouverner. On sait pas ce que les dangers des Aïngouan. Oh, nous avons reçu le ministère, c'est pour préparer l'église, c'est pour enseigner. Dans la Bible, il y a plusieurs enseignements. On peut parler des anges dans la Bible, ça y est dans la Bible. Mais de quelle façon la personne enseigne sur les anges? On peut besoin des anges de Yahuwah. Alors, il y a mon ennemi, activer les anges, connecter avec les anges, et ça va livrer papa démoniaque. Oh, il va tout saler là pour détruire l'église en Zambé, pour bébé sa croix, vécu par Zambé, dans l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Prophète Placide. Oui. On nous faisons le bonjour pour qu'on a auto. Souci dans les amis, but dans les amis. Souci dans les amis que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, la Bible dit, souviens-toi d'où tu étais tombé et pratiquez tes bonnes œuvres. Revenons-nous, Nabonoualiboso. Toi, tu es à l'évangile de la croix.
tout est à l'évangile de la grâce, tout est à l'évangile, la nengue va porter la terre qui en go. Parce que la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Apôtre va dire le message de la croix. Il va dire tout le retour de Jésus, la repentance, la sanctification. Tout ça a été planté à combat spirituel d'après la parole. Tout est à angélogie d'après la parole. Tout est à prospérité d'après la parole. Alors, moi, mon souci, c'est que comme ça m'a épargné, j'ai la connaissance pour comprendre qu'il y a une grande déviation. Il y a doctrinal. Alors, il faut que les enfants de Dieu va revenir dans la vraie parole. Comment on va faire aussi dans la montée? Parce que dans la perspective prophétique, il faut que le blé est livré pas à l'ensemble. Il faut pas qu'on là-bas qu'il passe à l'ensemble. Il faut que ma peuple, il faut à la caca toujours. Mais les apôtres de Jésus, lorsqu'il y avait eu ma doctrine erronée, maintenant qu'on avertit l'église ensemble. Pour la zone de 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3, dit que si vous aurez tenu l'évangile au terme où était maquis, c'est pour là que vous serez sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Donc nous devons garder la parole et observer la parole. C'est ça un peu souci dans les Angouana. Pas rester dans sa parole authentique. Attends pas c'est télémélié, attends que télémélié, attends Yesu Masia, n'est pas télé ange, n'est pas genre maï, genre bougie, oh tongola, yoko takate, genre ou l'homme là. C'est ça là où le danger et ça peut déranger dans l'ensemble. C'est ça un peu souci pour vous placer des ailes en voilà, tu es revenu au solide fondement de Dieu, tu prêches l'évangile véritable dans sa totalité. Aux anges, moi dans un madame ange, t'es un ange, t'es moi dans un madame ange dans les chrétiens. C'est la Bible. Ok, bon, la psaume 34:8 et l'ange de l'éternel. Psaume 34:8, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Bon, ma Bible, l'ange de l'éternel, c'est l'ange de l'éternel, c'est la théophanie, c'est la manifestation divine. Aujourd'hui, l'ange de l'éternel, c'est la rendez-vous meilleur mon coup. Sur une Exode chapitre, chapitre 3, tant Nzamba qui était c'était Dieu qui était descendu. Mm-hmm. C'est l'ange qui parlait à Moïse. L'ange était dans Nzamba Yemoko. C'est Dieu lui-même, mais dans Nzamba Yemoko. C'est la chrysophanie, c'est la manifestation de Dieu. Donc l'ange est éternel, à ce qu'on représentait, reflet Nzamba. C'est Dieu lui-même. Alors l'ange était dans Nzamba Yemoko. Vous savez que l'ange est éternel à Kampaka, présent Nzamba Yemoko. L'ange de l'éternel, c'est la manifestation parfaite de Jésus qui est déjà en nous. L'homme de l'éternel, vous exprimez en nous, l'ange de l'éternel, c'est dans nous en veillez beaucoup. Par rapport à ce que nous avons toujours dans la psaume, psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà. Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Parce que il y a le baguette ange de l'éternel, il leur donnera. C'est déjà que nous avons ordonné à nos anges de garder. Bon, dans le Bible, l'écriture, il y a psaume 91, le verset 10 à 11, c'est la même écriture que le diable a répété la rendu Jésus. Ok? Ce verset, c'est ça qu'on s'applique d'abord par la messianité de Jésus. Dans le Bible, là, j'ai un exemple, moi, on a homme. Lorsque va tourner tabernacle, tabernacle, il y a qui, nous avons mis ici par Israël, vous allez construire le tabernacle et moi, j'habiterai. Alors, dans Exode chapitre 23, le verset 31, le Seigneur avait dit, j'enverrai mon ange. Or, pour marcher du bosson à Bino, pour vous épargner. Or, que Dieu lui-même était descendu pour guider son peuple. Vous voyez, c'est pour là que je voulais dire quoi. Toi, par exemple, l'ange de l'éternel, et ça, quand nous avons la manifestation de Dieu, c'est comme le tabernacle n'était que la manifestation de Dieu, c'est comme Jésus et Zaki, la manifestation de Dieu. Nous sommes à voir Alvin. Pour nous comprendre très bien, oui, pour comprendre bien l'ange de l'éternel, hein, dans le but, nous avons l'exode. Mais Exode chapitre, je crois, chapitre 3, à partir du verset 1, hein, verset 4. Là, maintenant, nous allons montrer l'ange de l'éternel. Et ça dit Nzambe, Yemoko, même dans J chapitre 13, la femme, la maman Samso, Manoach, ange d'éternel, je vis un homme. C'est la théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Quand on dit que l'ange d'éternel a Kampaka, autour, il y a Bananaye, pour la première fois, et donc on a, ils ont par rapport au campement d'Israël, c'était l'ange d'éternel qui campait autour d'Israël pour le délivrer. L'ange de l'éternel. Oui. Pour le bien de l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Et ça nous a mis.
Nzambe ye moya l'ange ou bien l'ange de l'Éternel papa atina ne ba ange naye ndenge na somme 91. Mais on a pour expliquer que son nom son bien. C'est la Bible qui sort de l'ange de l'Éternel et Nzambe ye moko. Alors par rapport peu yani il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors Bible papa dit la nanga très bien. Alors ange de l'Éternel hein. Et Zalinzambe, Yemo, c'est la manifestation, c'est le reflet de Dieu. Ok? Parce que. Ah, bah, mais qu'est-ce qu'il y a de la personne J chapitre 13, la personne Josué chapitre 6, ok? Josué chapitre 6, la personne Josué chapitre 3, par exemple, Batanga. De là, maintenant, on parle que l'ange d'éternel, c'est Dieu lui-même. Mais il ordonnera à ses anges. Là, ce sont les anges étant des esprits en service de Dieu. Ok? Esprit en service en Zambé, c'est Dieu qui ordonne. Maintenant, partout on parle de l'ange de l'éternel, la Christophanie. Donc, Dieu se manifeste. Zambé, je forme. C'est comme Jésus. Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus, c'est un Zambé. Jésus, c'est un Zambé. Il s'est manifesté. Jésus-Christ Azamzambi. Okay. C'est Dieu qui s'est manifesté à la chair. Okay? Quand Jésus était venu sur la terre, il était Dieu. On m'a dit, c'est que ton les avis vide. Yeah? Dans le trône aussi, il y avait Dieu. Il était en même temps sur la terre, en même temps dans le ciel. La Bible ne savait pas qu'il y a encore pour le milieu de la Trinité. Il ne croit pas à ça. Mais du moins, nous croyons à la Trinité de Dieu, et à la divinité de Dieu. Parce que les trinités vont continuer. Justement, non, nous croyons que quand Jésus était sur la terre, il était aussi dans les ciels. Dernière ligne. Sokosui, Jean chapitre 3, le verset 12, le verset 11 à 12. Alors, lui, que personne n'est monté dans les ciels, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est bien. Ma question posée, ça fait. Ok. Ok. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, d'être venu. Merci. Merci. Non, dans le Bible, prophète Placide, abonne la moutée ma une fois pour toutes. Je ne vois pas Alvin, parce que question de la tête, il est-ce qu'à Tika, Tikatel, c'est même soit bras, mais si on a ma pratique, voilà, Ndebo, abonne la moutée ma malamoko. Mais il peut arriver dans la marche pour se compromettre. Moyen pour que l'on zambé, ça va par la répentance. Non, ça a déjà répentance depuis quand là. Ça fait déjà plutôt que les souris. 8 mois, 9 mois, j'avais déjà abandonné ça. Et là, je vais maintenant servir Dieu dans la vérité avec l'onction, avec la puissance de Dieu, parce que Dieu m'a équipé avec sa puissance. Je suis senti, je donne la raison, restauration des zones. Et je dis, il y a ma casse. Merci. Oui, il y a ma casse. Ok, merci l'homme de Dieu. Oui. En tout cas, tout ça, vraiment, dans prophète Placide, chaque semaine, beaucoup de monde va être différent. Pas différents numéros, il y a émission dans nos fidèles téléspectateurs, autres comme ça, la prophète Placide. Mais l'autre, on a un ange, beaucoup mais opéra avec les anges, beaucoup mais la vie sur la mienne, on trouve des aides bibliques, beaucoup mais la vie sur votre ligne, sur ma question, par rapport à ce sujet, prochainement, quand la mine était au Droyama prophète, pour notre solo là. Toujours ceux qui va questionner la mine, ils ont continué toujours la discussion. Il y a un ange, mais bon, c'est vraiment tellement que hier, mon cas, vous êtes vraiment dans mon monde. Après, mais vraiment, au fond, on a vu cette étape, mon amour, ma délivrance, au bambouillon, souvent, vraiment, bah, André, nous avons à confondre la vie, non, ni sur la vie, non. En tout cas, au prophète a dit, et tel gars, il y a mon prophète, tu vois, il va témoigner, tu vois, il va témoigner, je veux régner, régner. Mais il selon moi, une personne, encore une fois, plus Jésus, encore trois jours, et par après, avec aussi quoi, la baignée, il est la résurrection et la vie. Et là, il se trouve, il y a un moment, il y a encore plus trois ans, après trois ans, zone. Bon, pour moi, je crois à ce que la parole nous dit. La Bible dit qu'après la résurrection de Jésus, même le bateau va pouvoir faire là, le corps des saints va s'équater. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire ça. Parce que je crois la Matthieu, je crois 26 ou 27 comme ça. Après la résurrection de Jésus, on a vu le corps des saints dans Jérusalem. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on puisse faire un peu, tant et bébé. À ce que Dieu aussi peut le faire dans sa souveraineté. Mais dans toutes choses, la Bible le dit, éprouver les esprits, examiner toutes choses. Dieu étant souverain, il peut le faire, ça, il n'y a pas un problème. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci vraiment à la Banonios, tout Balanda Gbisso. Merci à la prophète Samuel Pons. Merci de l'église Abre de Vie. Merci à les grands producteurs.
Pedro Nkosi depuis Allemagne, nous avons pas mal dans les frère papi Kongé, maman Sylvie Wachini, maman Percy de Manganoupé, la pasteur Dozi. Filo Mouko a monté ma 22 hommes depuis Londres, Pena, Mireille Moussese, donc Moussese, depuis États-Unis, ainsi toute la famille Moussese, ma bien nous tous, Bolambino, Bissolo, la EFUTA, Bino, Montonamitamé, Lino Banafou, Panabanoubango, la paix, votre numéro de contact. Oui, la paix, si, Banazam et tout, merci pour la temps, Moussi, Olanda Bisso, l'émission, vous en a qui m'y a toujours pour apprendre à éclairer Bino, ma camouza et Bélé Bélé, Pena, pour déjà pour annoncer. Dans le mois prochain, nous avons une grande soirée autour de la cible, l'intercession d'Abraham et le mystère des chiffrologies. Pour ensemble, la pône à mon cannabis au Congo parce que Dieu veut délivrer notre pays. Alors, il faut que tout ça nous puisse intercéder pour Namboka et te renseigner beaucoup de choses par rapport à l'intercession d'Abraham, le mystère du chiffre 50, 45, 30, 20, 10. Pour la pomme Labino, alors, numéro Nangaï, je crois, Zali, 00-243-81-23-62-658. Dans Facebook Nangaï, Zali, Placide, Ote, l'espace. Placide Massessé, au moment où on a continué à demander à Mito Rosolola. S'il y a des questions, on continue à expliquer que nous libre, on est basé à l'arrière et des réalités qui se font actuellement dans notre église. Nous sommes vraiment pas moula. Nous sommes à la Nibiso, basé à la Zambé, au Nangana, au Nangana Pété, pour le vraiment à Pamoula Bino, Pépé Palvin, pour le vraiment à Pamoula. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, d'être venu. Merci, Nabilion, tout pour la Nibiso. Bon Zambé, Nabon Zambé, Lola, Ezo Futa, Boti, t'as toujours branché. Bourgozoa, vraiment, Nyonso. Et là, vraiment, n'ayez pas prophète classique, Bourgozo, vraiment, vraiment, l'émission Nabiso, chaque semaine, beaucoup, mon nom, numéro. Il y a émission Nabiso, rien que la vérité, peu émission Nabiso, il y a ce qu'il y a top 10 live, Oyo, et d'aller réaliser par mon réalisateur, c'est Dringong. Oyo, vraiment, semaine prochaine, beaucoup, mon convoté, au Tinda, SMS, par rapport, il y a ma clip, comment vous présenter, non, donc clip, exemple, l'homme, bon, liste, l'homme, bino, meilleur clip, les amis, clip préféré, la bine, les amis, beaucoup voter, voter, et nous faisons, il y a ce que top 10 live, en tout cas, Zambé, il y a Nicolo, Apamola, bino, Bisso, Lola, et Zo, Fouta, Bisso, toujours, contact, normalement, ils ont Alvin, bien, à Facebook, tout, la 00-243-81-46-00-335 et à la prochaine. Oh tiens, non, ça sent beaucoup été. Bon, pas tout. Bon, tiens, on a le fil. Faut la bien, maman Lise, pour notre confirmation. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait. Allô, maman Lise? Oui, Yannick. Nous avons un grand bassin, on a qui n'est pas à ma TV, le comité de la chambre. Et ça, c'est solo? Oui. Bon, Yabisanga, tu ressens la bonne pour tous les gens à la chambre. Tu peux télécharger ça sur. Google Play Store ou sinon pour les iPhones sur App Store. Ah mais tu n'as point de quoi un monde mobile, ma monde entier. La chambre bamba batani kazare ma TV. Oui, tu peux télécharger ça sur Google Play Store. Ah bon? Mais on sait que Satan a qu'est-ce que lui fait l'eau ou rapido. Satan a qu'est-ce que lui fait l'eau. Kazare ma la radio, kazare ma la TV, kazare ma l'internet, kazare ma la chaîne. Enfin, Kazarima, tu sais pas qu'on a déjà une application sur Google Play Store? Kazarima Chombo, plus proche de moi, plus proche de mes amis et plus proche de vous. Kazare Machombo, rien à dire. Plus proche de nous.